Ça, c'était l'année passée. On avait dit des informations erronées par rapport à des acteurs. Ça veut dire que c'est pas les vraies informations. Ce problème-là ne reviendra pas parce que, bon, le recherchiste a été flushé. A été flushé. Hey, on a aujourd'hui... Aujourd'hui, c'est un Guy. C'est un acteur, un Guy. C'est un Jo. Oui. Et c'est un Douin. C'est Guy Jodouin. Hey! Bonjour. Il est là. Hey! À l'année longue... C'est un plaisir pour moi d'être ici. Je suis très, très, très content. Je tiens à vous dire, juste avant qu'on commence, bien, on a déjà commencé, mais je suis en retard. J'ai été un petit peu en retard. Ouais. Je suis désolé. Oh. Je vous ai apporté un petit cadeau. J'ai apporté un petit cadeau, une petite bouteille de vin, juste pour m'excuser. On a arrêté l'alcool. Oui, on peut pas donner ça comme exemple. Ouais, genre, parce que tu peux pas faire des pots de vin. Non. L'émission. Non, c'est juste pour... Bon. Bon, ça part d'où, ton affaire, là? Hein? Moi, j'ai commencé en 1940. Bien, je veux dire, mettons, l'école de théâtre où j'ai... Non, réponds. Fais juste répondre. Juste après ça, là. Ça part d'où, là, tu sais? Les gens veulent savoir. T'es une vedette, c'est de ça qu'on parle. C'est ça. Bien, moi, j'ai eu une grande chance. Quand je suis sorti de l'école de théâtre, il y a 4 professeurs déjà qui m'engagent. Merci beaucoup, c'est gentil. Il y a 4 personnes déjà qui m'engageaient. J'avais Louis Saya qui m'engageait en sortant d'école. Je sens que ça va être long, hein? Oui. Mais là... Comment ça va? Vite, là. Là, en sortant de l'école, j'ai fait les amis de Kobo Abe. Pourquoi tu pognes? Les gens disent de moi que je suis sympathique, là. Ouais. Souvent, c'est ça, là. Ce qui n'est pas nécessairement vrai dans la vie de tous les jours. Je suis un papa, là, je veux dire. Oui, mais ça, c'est à l'heure quand on va parler de l'homme. Maintenant... Là, on parle de l'artiste. OK. T'es partout, hein? Tu le sais que t'es partout. Je veux dire, t'es une vedette, les gens t'aiment, tout ça. On te voit partout. Est-ce que tu le sais qu'on est poigné? Tu le sais qu'on est poigné? Quand on regarde la télévision, t'es partout. T'es partout, là. Fait que, hein, t'es. Qu'est-ce que tu fais avec ça, là? Comme Dieu. Je suis partout. Mais qu'est-ce que ça te fait, personnellement? Bien, c'est sûr que c'est le fun pour moi, là, de travailler comme ça. Ouais, mais est-ce que ça. Tu te dis pas que ça peut être achalant? Non, moi, j'adore les gens. Toi, as-tu joué dans La Promesse? Non. OK. T'aurais aimé ça? J'ai pas vraiment le temps, mais oui, si on m'avait demandé. Peux-tu nous dire pourquoi t'aurais aimé ça, là? T'sais, on va dire, là, tu sais. Ouais. Parce que c'est une émission que les gens adorent, les gens aiment ça à la maison. Ouais. Alors, c'est sûr que c'est toujours plaisant de pouvoir jouer dans des émissions que les gens adorent. Ouais. Mais plaisant, tu sais, quand il dit ça, c'est général. C'est général, plaisant, qu'est-ce que ça veut dire? Il se mouille pas, là. Es-tu très riche? Si je suis riche? Pas très riche. Ben, tu roules, là. Ben oui, tu peux pas. C'est sûr que tu as de l'argent. T'as-tu des diamants? Hey, t'as-tu des diamants? Non, j'ai pas de diamants. Non, je pas. Tu veux acheter quelque chose à ta femme avec cet argent-là? Ouais. Pas nécessairement. Nous, on aime beaucoup voyager. Alors, parce que tu es sur les panneaux d'autoroute. Oui, ça, j'ai vu ça. Hein, ça roule, tu sais. C'est parce qu'on complète pas les phrases. Là. Je veux dire, je suis même pas capable de m'exprimer. C'est parce que c'est des rafales. Mais oui, mais on les fait. C'est à travers tout ça, les gens découvrent. C'est pas nécessairement. C'est des questions rafales. Parce que tu dis un mot en particulier que les gens t'ont découvert. Est-ce que tu te penses bon quand tu es tout seul dans ta chambre? Tu sais, tu es tout seul dans ta chambre, puis tiens, ouais, là. Tu sais, c'est comme. Tu penses-tu bon, là, tu te dis, hey, là... Vous voulez que je réponde par oui ou non, c'est ça? C'était une question rafale comme ça? Oh, my God. Parce que je suis facile pour moi, non. Oui, mais tu dis, parce que... La chambre, parle-nous de la chambre, là, parce que là, il reste 30 secondes. Quelle chambre, ma chambre? Oui! Bon, tu veux une question simple? Tu jouais dans Nelligan, qu'est-ce que tu faisais là-dedans? C'était quoi, le personnage? Il te reste 5 secondes, 4! Ah ouais! Je l'ai demandé à du monde, il s'en rappelle pas. On va revenir. Terminé pour moi? Non, on n'a pas fini. Regarde, bouge pas. On va revenir avec... On revient avec de quoi, là? C'est quoi, Guy Jodouin? On est de retour avec Guy Jodouin. Ouais. Guy, maintenant, l'homme. Hein? Ouais. On a fait le tour avec l'acteur. Là, on va parler de l'homme, maintenant. Ouais. Tu sais, ce qui se passe en intérieur. Ouais. Il paraît que ton livre de chevet, il y a des années, c'était le journal d'Anne Frank. Comment ça finit, cette affaire-là? Non, j'ai jamais lu ça. Mais là, c'est marqué, je l'ai déjà lu, c'est correct. Je l'ai déjà lu, là, mais ça me tente pas d'en parler en une seconde. Là. Non. T'es épouvantable, hein? On t'a-tu déjà dit ça? Comme caractère? T'es épouvantable! On t'a-tu déjà dit non. ça? Non, c'est jamais arrivé. C'est la première fois là, que ça m'arrive. C'est ça.
bloque un peu. OK. Selon la presse de là deux semaines, ça disait que tes chanteurs préférés, c'était Bryan Adams et Céline Dion. Céline Dion. Oui, oui. C'est vrai que t'aimes, t'aimes ça depuis longtemps? Bryan Adams, ça fait longtemps. Céline Dion, je l'apprécie comme femme parce que je trouve qu'elle travaille bien. Everything c'est quelqu'un qui est allé... I do it. For you. I'm alive. I'm alive. Ils connaissent ça. Aux yeux des spectateurs, tu incarnes la perfection. Est-ce que ça te touche? C'est des entrevues de combien de temps là, qu'on fait? Bien, il reste un bon deux, là. Hein? Bon, est-ce qu'on peut reste un deux? Est-ce que vous avez des petites nouvelles à passer? Des ben là, non, attends un peu, là. Non, attends un peu, parce que tu veux faire ça personnel, là. T'es non, arrivé en retard. Non, je comprends. On te pose des questions. Lève pas le ton sur nous autres, là. Guy, c'est Guy, là, tu sais. Le petit trip fort sur l'actrice Audrey Tautou, là, puis ta femme, comment elle prend ça, là? OK, 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 ça me tente plus. Garde une simple, OK? Tu t'en vas en voyage, qu'est-ce que t'amènes avec toi? T'amènes une affaire avec toi, qu'est-ce que t'amènes? Ta brosse. Une brosse à dents, ouais, je sais pas, un disque. Ma serviette. Hein? Mes boxeurs. C'est drôle parce que la plupart des acteurs oublient leur femme. OK. En privé, quels sont tes plaisirs? Quels sont tes... Est-ce que tu te sens engagé quand tu les fais? As-tu honte de penser parfois à tes plaisirs privés? Hein? OK. Allez. Moi, je suis un petit peu tanné, honnêtement. Là. Ça me tente plus. Là. Mais là, c'est... qu'est-ce qui se passe? Pas pour que tout d'un coup, le sourire est parti. Mais oui, tu donnes ça à tout le monde. À tes si, aimes-tu le soleil? Tape deux fois. Mais si là, j'aime le soleil, tape des mains. Si j'aime le soleil, tape des mains. Si j'aime Guy Jodoin, tape des mains. Attendez, attends un peu, Guy, voyons donc. Ça me tente plus, là. Non, non, mais attends un peu. Tu donnes à tout le monde à la maison une image, et là, tu as décidé de couper ton image. Tu dis niaisage, j'ai plus de fois. Assieds-toi. Je n'ai plus. Non, non, tu vas t'asseoir. Non, ça, c'est du plus de fun, là. Jodoin. J'ai plus de fun. Non, fun. J'en ai jamais eu. J'en ai même pas eu depuis que je suis arrivé. T'en as jamais eu. Dans ton métier, au complet, t'en as jamais eu. Je suis convaincu que Guy Jodoin est un leurre, qu'à chaque fois qu'il t'a dit. Mais vas-y, parle. Regarde, à qui je parle, Guylain, celle-ci, là. Est-ce qu'on peut. Vous êtes même pas capable de poser des questions puis écouter. Vous écoutez pas. Ça pose des questions, mais ça écoute pas. Ça, c'est n'importe quoi. Moi, je m'en vais. Regarde-toi dans le miroir. Je m'en vais. Vous, là, les vedettes comme vous, pensent qu'on n'a pas de sensibilité. Merci. Vous pensez qu'on peut t'en aller. Tu vas regretter. En plus, ça veut briser ce matériel. Ta carrière est tombée. Ça, là, ça, c'est ça. Regardez, vous avez vu? C'est ça, les grandes vedettes. Les grandes vedettes de la télévision, c'est là. Ça arrive là. Après ça, c'est fini. Il n'y a aucun regard. Aucun regard de sympathie. Il pointe sa bouteille de vin. Il part avec. On aurait pu donner à l'équipe. Il est parti. Ça n'a pas de conscience sociale, ces gens-là. C'est un 5 à 7, on va s'en rappeler. C'est un 5 à 7 en son honneur. Oui. Mais non, nous autres, on reste en silence, on est froid. Je regrette. Il va regretter. Il va... Absolument, aussi, c'est les fans qui vont le faire regretter. C'était, on vient, on va regarder quelque chose. Et on aimerait savoir que c'était Guy Jodoin. C'était lui. Mouillet! 9.5 9.5